Bonsoir People, à la une cette semaine, Emily Sandé a un nouvel album en préparation après une avalanche de récompenses. La chanteuse britannique surfe sur le succès avec l'immense carton du single Next to Me à travers le monde. Non contente d'être numéro 1 en Europe, Emily Sandé est aujourd'hui à la conquête des États-Unis. Pour ce faire, la chanteuse a enregistré une nouvelle version de son tube Next to Me avec le rappeur Kendrick Lamar. De passage à Paris, la star britannique a chanté à guichet fermé. Celle qui a pas mal galéré avant d'être révélée au grand public a été auréolée de récompense lors des dernières Brit Awards. Emily Sandé a ainsi raflé deux des plus prestigieux prix, dont celui du meilleur album pour Eurovision of Events et celui de la meilleure artiste féminine. Alors que son concert, Live at the Royal Albert Hall, enregistré en novembre dernier dans la prestigieuse salle, vient de sortir, la chanteuse déclare travailler sur son deuxième album. « Ça fait tellement longtemps que j'ai écrit le premier album et maintenant je sens qu'il y a un tout nouveau moi qui va sortir », a-t-elle déclaré. Un nouvel opus qui pourrait sortir sous les couleurs de son propre label. L'artiste a révélé travailler à sa création afin d'offrir à de jeunes chanteurs l'aide qu'elle-même n'a pas reçue. Une affaire à suivre.